Bonjour et bienvenue, et avant de commencer notre épisode, je voulais parler de quelques petites choses par rapport au réchauffement de thé en fait et comment les garder au chaud. Alors j'ai vu des commentaires la dernière fois en me parlant d'une personne, apparemment un français qui fait du The Long Dark aussi. Honnêtement je connais personne vraiment qui fait du The Long Dark, ou je ne regarde personne surtout. Donc en tout cas merci, du coup ça me fait connaître d'autres personnes. Mais je voulais parler d'une chose aussi, donc j'ai parlé des thés en disant que ça avait changé, que maintenant on peut plus les faire, les garder au chaud en fait, indéfiniment. Donc si vous vous rappelez avant, hein, c'est dans mes anciennes saisons et tout ça, hein, on prenait genre un thé, on le mettait tout simplement à côté en fait du feu et vous avez réchauffement. Et après il va rester au chaud et il pouvait rester indéfiniment au chaud, donc c'était vraiment cool. Après on pouvait aller dormir et on pouvait en fait timer notre temps pour dormir et jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Donc du coup comme ça on pouvait se réveiller, le feu était éteint genre depuis quelques minutes et le thé était encore chaud et on prenait le thé et on avait le buff de réchauffement et après on partait. C'était vraiment stop. En fait honnêtement c'était vraiment le meilleur moment en fait de The Long Dark. Maintenant ce qu'on a avec un feu, c'est que on a brûlé au bout de 30 minutes si on a un thé à côté. Donc ça c'est comme ça que le jeu fonctionne. Donc ça c'est embêtant, bon ils ont changé, c'est leur idée, hein. ils ont voulu changer. Pour moi encore une fois, je dis encore une fois que ça n'a aucun sens que le thé brûle en fait, car il est vraiment à côté du feu, il n'est pas sur le feu. Enfin bref. Et après on m'a dit que on peut le garder en genre le reprenant et en le reposant, etc. C'est vrai, parce que ça va faire rechauffer la chose et tout ça. Et après, il y a même des fois des moments où le thé va dire qu'il est froid, mais en fait il est chaud. Et on peut faire directement ça comme ça avec un thé qui n'a pas été chauffé par exemple. On peut faire ça. On le pose, donc 6 minutes, on le reprend, on le repose, et là ça passe à 15 minutes, et là il va rester en fait chaud. Et pour celui-là aussi, il va rester chaud. Alors, ça, c'est une exploitation de bug. Voilà. Pour moi, et je pense que pour tout le monde, hein, on a compris que ça, c'est une exploitation de bug, tout simplement, à faire ça. C'est pour ça que je ne le fais pas. Mais en tout cas, le jeu, maintenant... Et depuis qu'il a été changé, encore une fois, comme je dis, si vous mettez... on va avoir un problème là. Si vous mettez voilà, un thé à côté d'un feu, il va se réchauffer. Et après, si vous le laissez plus de 30 minutes, il va brûler. Voilà, c'est comme ça que ça marche la mécanique. Mais de faire ça, c'est de l'exploitation de bug. C'est ça. Parce que si vous prenez le thé, vous l'éloignez donc du feu, donc de la zone de feu, vous le remettez... Vous voyez que là il va se réchauffer et après il est chaud et là il va rebrûler en fait dans 30 minutes. Si on le reprend et on le repose, vous voyez qu'il va encore se réchauffer encore une fois et là après il va rester chaud. Donc vous voyez, pour moi ça c'est juste tout simplement une exploitation de bug. C'est simple, c'est que ça. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais oui, il y a une façon au final de garder des thés au chaud, c'est de faire ça. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. C'est comme vous voulez, perso je ne le fais pas parce que voilà, encore une fois c'est tout simplement une exploitation de bug. Mais ouais, on peut le faire, c'est vrai. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo, je voulais en parler parce que ça peut aider les gens, surtout au début. Ça peut être utile pour certaines circonstances, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans tous les cas, merci beaucoup pour les commentaires et tout ça. Et on va se lancer dans notre épisode de la survie du week-end. Encore une fois, merci infiniment d'être actif et tout ça, de pouvoir répondre et tout, c'est plutôt cool. Et ça me permet de faire des petits morceaux en fait de vidéos comme ça et d'expliquer des choses ou alors de parler plus de mécaniques de jeu. Les mécaniques de jeu, je les trouve toujours très très cool de The Long Dark. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour la nouvelle version du thé avec l'exploitation et tout ça. Voilà, maintenant place à notre épisode. Merci beaucoup et j'espère que vous aimerez cet épisode.
Eh oui, on va aller manger un cheval. Bienvenue, bienvenue, on se retrouve dans notre survie du week-end en plein blizzard apparemment. Fun, 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 fun. Et on a finalement fini notre petite quête. Hop là. Ok, donc dans les épisodes précédents, on va pas rester longtemps parce que on manque de calories. Hein. On a un gros manque de calories, on risque d'avoir des problèmes, donc il va falloir vraiment partir. On a des cordes à prendre, des longues cordes, on a plusieurs cordes. Quoique non, on a allez, deux cordes à prendre, on va regarder la carte. Donc en gros, nous on est dans la mine, le dernier espoir, la mine qui est là. On doit reprendre des cordes. Je crois bien qu'il y en a deux à reprendre. On va descendre le long de la rivière, j'en sais rien, qui est gelée. On va retourner donc à la prison. Et ça sera notre but hein, de cet épisode. C'est vraiment retourner à la prison sain et sauf. Car on a pu récupérer le code dernièrement. Je sais plus où est une note. Je sais pas si c'est dans Node, je sais pas du tout en fait. Feuille de papier avec les textes écrits à la main. Non. Si, c'est ça. Si, c'est celle-là. C'est la dernière du coup, c'est bien. C'est bien classé. J'ai trouvé un sac à dos, blablabla. 3, 4, 4, 5. Donc ça sera le code pour déverrouiller l'atelier. Alors j'ai pensé à l'atelier. Donc on va prendre ça. Je crois que la dernière fois j'avais déjà fait plus ou moins le tri de ce qu'on prenait. On va prendre ça, le bois. La torche, je sais que c'est un peu sombre, hein, désolé. La bombe de peinture, à la limite, on pourrait la prendre si on revient pas ici. Hein. Là, il n'y a rien du tout. Je sais que c'est un peu sombre, hein, mais. Vous inquiétez pas. Les boyaux, on s'en fout. Le charbon, on s'en fout. On a 44, 85, ce qui est très bien. Et on va tout simplement partir si le temps nous le permet. On va prendre les bombes. Et on est bon. On va voir. On va voir le temps. Je pense que on va peut-être même devoir partir en fait, même s'il fait froid. Je vais être honnête, parce que bah, du coup on peut pas vraiment trop attendre. On a plus rien. On a 15 massettes à la limite. On peut attendre, mais on peut attendre une journée de plus. Mais j'ai pas vraiment envie. Accélérant, non. On n'a pas froid pour le moment. J'ai peur qu'on ne voit plus rien en fait. On a un peu froid là. Ouais, ça y est, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Moins 22. Ah là 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 là. Le problème, c'est qu'on peut pas vraiment dormir en fait. Parce qu'elle est pas fatiguée. Elle est pas fatiguée, mais j'ai pas vraiment envie d'attendre. Enfin, j'ai pas envie de courir dans le blizzard non plus. Donc, je sais pas trop. On est à combien de calories? 330. 10, 10. On a ça. Après, on a encore 5 massettes. Là, on n'a rien à faire. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est un peu embêtant. Légèrement embêtant. Je crois qu'on a eu du bol pour une fois. Enfin, du bol, on sait, on peut appeler ça du bol. Ramasser. Ok, par contre, elle a vraiment, vraiment faim. Donc, on va faire ça. Et je crois que pour être vraiment sûr, on va manger 5 massettes. Ça m'évitera quand même, comme ça, de manger pendant le chemin. Parce que ça, c'est vraiment chiant en fait. Mais le temps s'est un peu amélioré.
Donc c'est parti, c'est le moment où on part. Ok, j'ai tout pris, on est bon, on reviendra plus ici. C'est parti. On va un peu sprinter, on va un peu se bouger les fesses. Allez, go. Après, ouais, il y a du charbon et du bois, c'est vrai que ça serait intéressant, mais comme j'ai dit, on va pas revenir ici. Puis jamais, au pire, si jamais on en a besoin, on reviendra, mais ça m'étonnerait. On pourra remonter, on y viendra genre super léger, vous voyez? On pourrait faire ça. Voilà, très bien. Ah, on arrive donc à la fin en fait hein, de la saison, j'ai envie de dire. Hein, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour de la zone. Et on a donc récupéré notre... Wow, wow, wow! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi ma vue elle est... Ok. Je sais pas ce qui vient de se passer. Okay, c'était bizarre. Sympa. j'ai cru que j'étais passé à travers quelque chose, j'en sais rien. Enfin bref. Donc ouais, on a trouvé notre code. On va pouvoir rentrer dans l'atelier. Et ce qu'on va devoir faire aussi, c'est donc entrer dans l'atelier. Donc, alors le problème, c'est que pour l'atelier, il va falloir un code. Oh la vache, je dis n'importe quoi. Le code, on l'a déjà. C'est droite ou gauche qu'on doit aller? Non, ça c'est la grotte. Non, le code, on l'a déjà. Non, ce qu'il nous faut, c'est une aurore boréale pour qu'il y ait le courant. Alors après, j'espère qu'une fois qu'on l'a déverrouillé la porte avec l'aurore boréale, le courant et le code, on peut y rentrer quand on veut, j'espère. Après, j'imagine que c'est comme l'endroit où on pouvait créer des munitions. Ou le... Allez, c'est parti. Ou les machines à l'intérieur, elles ont aussi besoin de courant. Je pense. Je sais pas du tout, hein, mais j'imagine. Très bien. Est-ce qu'on a notre sac de couchage? Oui. Hein. Je pense, je dirais que oui. Il faut du courant aussi pour ça. Mais bon, en tout cas, j'espère voilà qu'on pourra ouvrir l'atelier, qu'après on pourra vraiment se balader à l'intérieur quand on veut, quoi. Je crois qu'on va le faire en une fois. Oui, oui, on va le faire en une fois, c'est bon. Vous imaginez si on avait oublié de remettre les crampons? Ça aurait été la merde. Vous avez vu, on perd quasiment rien en descente. Hein. C'est un peu incroyable. Notre endurance à droite. C'est vraiment magnifique. Hein. Alors, on peut aller se réchauffer, mais honnêtement, je crois qu'on n'a pas vraiment besoin. Quand on est protégé du vent, on subit quasiment peu de froid, donc autant faire ça, autant continuer. Bon, bah, ça va, ça se passe bien. La descente est quand même beaucoup plus simple, hein. On va rester collé à la paroi. Ah oui, on avait vu que c'était un peu compliqué pour descendre. Ah oui, oui, faut passer par ce côté. Oui. Ah oui, non, 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 il faut remonter, repasser par un pont avec un arbre. Ok, très bien. Et une fois qu'on sera donc, comme je dis, qu'on aura fait l'atelier, qu'on aura découvert et tout ce qu'il y a à l'intérieur, bah, je pense qu'on sera un peu à la fin, en fait, de notre aventure. Personnellement. Et je me demande ce qu'on va faire après. Ah oui, du coup, il faut monter ou descendre?
Ça, je sais plus, par contre. On va continuer là, parce qu'il y a des massettes. Et j'en ai besoin, mais... Là, on a un arbre en pont. Un pont-arbre. Quoique... Non, il faut... Ah, je crois qu'il faut prendre la corde. La merde. J'avais pas pensé à ça. Je crois qu'il faut prendre la corde pour passer par-dessus ça et se retrouver devant la prison. Je crois. Oh. Je pense. Attendez, on va regarder la map vite fait. Bon, là, c'est pas une corde géante, donc ça va. Je crois que c'est ça. Je sais pas si on peut aller. Ouais, on va la jouer sécurité. Il fait combien hein? Attendez, faut moins 6. Dormir une heure. On va la jouer sécurité, on va prendre la corde, on va pas continuer vers le bas, parce que je suis pas vraiment sûr si ça retombe vers la prison. Ok, on sait, ça marche, ramasser, on monte. J'avais dit à chaque fois que je baisserais la musique, j'ai toujours pas fait. Chaque fois j'oublie. Donc dans des moments comme ça, je commence à gueuler plus en plus parce que la musique est très présente. Désolé. C'est embêtant. Hein. Il y a un chemin là. Okay. Ok, voilà, parfait. Parfait. Donc il faut qu'on aille récupérer de la nourriture et tout ça. Et après, une fois qu'on sera rebond, donc ça sera sûrement dans l'épisode, le prochain épisode honnêtement, on ira pour la photo aussi. Parce que je vous rappelle qu'on a une photo, qu'on a découvert un Polaroid qui était... Normalement, je crois, vu la map, ça doit être au-dessus de ça. Ça doit être ici. Par où on va passer? Ah oui, par là. Ça doit être là, je dirais. Ou peut-être là. C'est juste au-dessus de la prison. En fait, on a une belle vue sur la prison de ce qu'on a vu. Moi, je dirais que c'est ça. Et on fera ça après. On fera la... La photo la prochaine fois, quand on aura récupéré de la nourriture et tout ça, quand on sera rebond quoi. Parce que là on est encore un peu en danger. C'est bon, on y arrive. Bon, au final c'est pas très très loin. Oui, non, c'est le coup de descendre les cordes au lieu de les monter, hein, c'est ça. Hein. Parce que je faisais un peu genre... on est au bord de la mort, mais pas vraiment. Pas vraiment au final. Voilà, et avec de la chance, mais bon, hein, on en a jamais. Avec de la chance, on aurait genre une aurore boréale genre pendant cet épisode. Et du coup, on pourrait rentrer. Mais faut pas exagérer non plus. On va faire ça avant que j'oublie la lampe. La lampe, hop. Voilà, très bien. Donc là, on avait de l'eau. Ok, très bien. De l'eau, on en a combien sur nous? On a encore 2 litres. On n'a pas vraiment besoin d'en refaire. Là, quoi.
Bah oui, bah du coup là on a beaucoup de bordel, ce qui est bien. Ce qui est bien. Ça. Ça. Très bien. La manivelle aussi. Les bombes. On va en placer. Les têtes de flèche. Pour l'instant aussi. Oups. Alors, on va en garder 20. On a un loup juste à l'extérieur. Merde. Ah bah oui, ça fait très longtemps en fait qu'on était. Oui, ça fait un petit moment, donc du coup il est de retour ici. Et on a le bois que je voudrais déposer aussi. C'est ça, je termine à 50%. Ah oui, ça sèche pas ici? Si, ça sèche? Oui, ça sèche, je crois. On va aller dans notre camp là-bas pour bah il est où ce con? Oh là, oh, ça attaque les lapins et tout quoi. Est-ce qu'on a de la nourriture ici? Oh, on n'avait plus rien. Ok, d'accord. Il est pas loin, hein. Je crois qu'il est juste là. Tais-toi. Il est où ce con? Ah, je crois qu'il est derrière le mur. Ouais, non, mais attends. Ça va pas le faire là. Ça va pas le faire derrière le mur comme ça. Bien sûr, on a froid. J'ai zéro nourriture du coup là. J'ai zéro nourriture. D'accord, ça marche. Ça marche. Je pensais vraiment avoir quelque... On va se réchauffer par contre. Je pensais vraiment avoir encore des steaks, mais en fait on a strictement rien. Ok, là on sèche. Ok, les boyaux, tout ça, okay, ça marche. Aïe 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 aïe. Okay. J'ai encore des médicaments. Il faut faire le tri parce que là on a deux camps et j'ai un peu mis des choses à droite à gauche, donc il faudrait que je réunisse les choses au même endroit. Ouais. Qu'on fasse ça. Il faudrait que je change l'arc aussi, qu'on utilise l'arc qui est bientôt abîmé. Qui est bientôt cassé même, j'ai envie de dire. Comme ça, on peut... On sauve un peu des pourcents sur le nouveau. Pas celui-là qui est en bon état, on va dire. Je vais voir si on n'a pas un loup, genre, derrière. Genre derrière nous. Dans la grande zone. C'est un peu la merde là. Genre là. Ça, on a entendu un loup, mais est-ce qu'il était dans cette zone là ou pas? Si, il est là, il est là. Ah, c'est chier. Ah, je voudrais que tu viennes vers là-bas. Vas-y, ramène-toi. Ah, le vent, c'est pas le moment. Alors. J'ai cru entendre du bruit à droite. C'est quoi?
God, you're freezing. Je suis fou ou j'entends du bruit? Non, je dois être fou. J'ai vraiment cru qu'il y avait quelque chose qui grattait. Vous vous rappelez depuis qu'on a entendu les loups gris là, gratter à la porte? Maintenant, des fois, j'ai l'impression que je les entends, mais en fait, non. Enfin, je pense que non. On a du charbon. Est-ce qu'on a du bois ici? Pas vraiment. Pas vraiment, vraiment. En plus, elle est fatiguée, c'est bien. Et la table aussi, stop, ça fait quoi? Ça fait 6 pour 1h30. On a l'étagère, c'est 6 pour 2h. Ça, on peut pas. Ok, il faudrait que je réfléchisse un peu. Il faut que je fasse de la nourriture maintenant. On peut faire un... Je crois que j'avais déjà testé, on peut pas. Ouais, en intérieur. Moins 17. Moins 17. J'hésite. On fait un feu à côté du loup ou on fait un feu à côté là? Je crois qu'on va faire un feu à côté ici en fait. C'est plus safe. Le feu, je crois qu'il était plus ou moins bien protégé. Donc on va faire un feu ici. Je crois. Hein, la dernière fois, je crois qu'on avait fait ça. Que le feu, on avait vu que le feu était quand même bien protégé de ce côté-là. Donc on va faire ça. Deux heures, très bien. On va faire... Pam, pam, pam. Faire ça. On va boire ça, ça nous réchauffera et ça nous tiendra chaud pendant que je découpe, pardon, je découpe la viande. On a 22 minutes, ça suffit. Très bien. On a 2 heures, très bien. Normalement, ici, il n'y a qu'un loup, on est d'accord. Hein. On est très positif hein, sur ça. Hein. On n'a pas besoin de faire attention partout, tout le temps. L'étagère me dérange pas vraiment. La table me dérange pas vraiment, mais c'est qu'on n'a pas vraiment de bois. Hmm. Ouais, on va faire un peu le tri ici. Ouais, alors je voudrais ça. On va faire comme ça. Faut que j'y pense, hein. Faut faire attention là-haut. À l'arc par contre. Alors, les torches, on va aussi les poser. On va un peu faire le tri de notre inventaire hein, parce que... On va garder juste les 3 torches là. Et on va devoir les espacer à mort. Ah, c'est chiant ça. Aïe aïe aïe. Ah, et sans mode, hein, c'est un peu relou hein, pour placer les objets. Hein. C'est un tout petit peu relou vu qu'il y a une sorte de distance entre les objets. Ouais. Alors, les boyaux secs. On peut les placer ici. Ah, très bien. 15, ça c'est très bien. Là. Là, on a quoi exactement? Ok. Cinq. On peut regarder la viande. 25 minutes. De l'eau, on en a encore. On a un faitout quelque part. Ah oui, non, c'est dans notre deuxième camp qu'on a un faitout.
Ouais. Ça, ça marche. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est ok maintenant. Ça va, on est plus ou moins sorti d'affaire. Faudrait qu'on aille tuer les autres loups qui traînent. Mais ça, je pense qu'on va risquer ça la prochaine fois. J'ai pas trop envie de me compliquer la tête. Honnêtement, là, j'ai envie de... On va mettre une des autres viandes, là, à cuire. Et ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on dorme une heure dans le sac de couchage. Le temps que ça cuise. Le temps que ça cuise, comme ça, avec de la chance, on va peut-être avoir une aurore boréale. On va faire ça. Ok. Ça sera cuit, normalement, ça va pas être abîmé, rien. Pas brûlé en tout cas. Non, il y a juste beaucoup de bruit ici en fait. Ah ouais, bah le vent est pas si protégé que ça au final. Le vent est pas si protégé que ça. Le feu. Le feu n'est pas si protégé que ça. Mon dieu. Je sais même plus ce que je dis. Affolant. Voilà, parfait. Bon bah du coup, vu le temps pourri, on va dormir ici. Ouais, ça va être une catastrophe. On va dormir, allez, 2 heures. On n'a pas vraiment besoin de récupérer de la vie, donc on va dormir par à coup. Encore une fois, c'est pour avoir la l'aurore boréale. Mais bon. Ouais, on a un temps de merde. Ah, je vais faire ça, hein, comme ça on avance et on check à chaque fois s'il y a des aurores boréales. C'est un peu embêtant de faire ça, mais bon. Vu qu'elle est fatiguée, qu'on n'a pas vraiment besoin de récupérer de la vie ou quoi que ce soit, on en profite, on fait des tests. Honnêtement, vu le temps, je vois pas l'aurore boréale venir. On va peut-être dormir au max. Attendez, la boisson... Alors, on va peut-être dormir au maximum. Parce que là, il reste quasiment rien en fait. On va dormir 8 heures. 8 heures. Bon. Bon, bon, bon. On a perdu notre chance d'aurore boréale. C'est bête. Donc faut qu'on récupère du bois. Je crois qu'on a du bois de l'autre côté de toute façon. Bon, on va peut-être faire le tri de ce qu'on garde, de ce qu'on prend et ce qu'on jette pour l'autre camp. Là, honnêtement, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je prends tout ça et je l'amène là-bas? Ou pas? Non. Par contre, on a un atelier là-bas. Donc en fait, on va prendre tout ce qu'on a ici pour l'atelier. On va le foutre là-bas. Ah oui, on a ça aussi, les petits combustibles. Oui, ça va, ça va, ça va. On va prendre ça aussi. Les bombes, on va les laisser. Là, du T5, T, sa tisane. On va en prendre 2. Ah mais du coup, ça va pas ensemble. Ouais, mais je préfère utiliser ce... Ouais, mais ça s'abîme pas de toute façon, donc c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on va faire comme ça. Aïe, 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 c'est embêtant, les trucs qui se stackent pas.
Ça, hop. Alors là, on a... non, moi je veux des champis. Et il me faut un de chaque. Donc hop. Très bien, donc on en fera un de chaque. Des trucs, ça on a. Pourquoi la musique devient flippante alors qu'il se passe rien, tout va bien. T'as pas besoin d'être triste la musique, ça se passe très bien honnêtement, on est rentré au camp, ça se passe bien, je suis content. On a aussi la photo encore une fois, hein, je rappelle, on a la photo à faire, mais là je veux plutôt me concentrer sur nourriture et tout ça, parce que... Quoique, c'est pas très loin, attendez. Parce que là on est plutôt ok pour la nourriture, donc autant... Entrée de la prison... Vers le tunnel à vapeur, donc ça c'est l'entrée, donc nous on devrait faire ça. Hop. Je crois qu'on peut. On va voir. Je crois qu'on peut. C'est un peu froid quand même. J'entends les corbeaux. Ah, ils sont là. On avait vu que les loups gris pouvaient venir nous... Enfin, peuvent pas venir, mais peuvent nous chasser, continuer à nous chasser jusqu'ici. Bon, moi, je pense que c'est là, perso. Jusqu'ici, mais ils traînent pas ici, de ce qu'on a vu, hein. On est d'accord. Hein, on est d'accord, on est plus ou moins d'accord sur le fait que autour de la prison, on est tranquille, je crois. On était allé là-bas, là-haut. Parce que je vois qu'il y a des sortes de grillages et tout. Il y a peut-être des bâtiments, en fait. Oh mon dieu! Caverne d'Ali Baba. Oh mon dieu, mon dieu. Sans déconner. Ouais, non, on n'est jamais venu là. Il y a des champignons partout. Regardez ça, là-bas, là-bas, là, là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Faut d'abord trouver l'endroit pour la photo. C'est ça? Normalement, ça s'affiche. Je me rappelle même plus comment ça fonctionne, les photos. Attendez. Comment ça fonctionne, les photos? Je crois que quand on arrive à l'endroit, ça... Arrête de claquer des dents, là, ça me rend fou. Ça s'affiche. Blackrock. Ah, merde. Attends, elle voit les câbles électriques. Genre là. Pour moi, c'est là. Hein. Pour moi, c'est là. Ah, peut-être là. Genre, il faut monter ici. Normalement, il n'y a pas l'icône de la photo qui s'affiche ou je suis en train de créer mes propres mémoires là. Genre, et en fait, c'est pas du tout. C'est à gauche, ça, le câble il est à droite, là le poteau il est à droite, et ça c'est le câble qui tient. Ok, donc ça, le câble qui tient. Donc là, non si c'est là. Hein. Ah! Yes! Fait un peu froid, mais ça vaut le coup. Tada! Ouh, il y a plein de massettes en bas.